Test. Bien, impeccable. Voilà, on va juste terminer le game proprement. Même si j'ai pris un d'attaque. Du mal à le viser. Je me suis fait bobo. Tellement avoir ce chip en moi. Mouda. Ah, merci beaucoup pour les mouda, les gars. Merci, c'est gentil. Attendez, je suis en plein boss de fin là. On reportera tous les moudas si vous voulez juste après. Ce chat chien de poubelle essaye de s'enfuir. De le viser bien. Vraiment. J'ai tout pour casser les pieds. Ouais, je l'ai bien évité quand même. Non, je suis pas touché. Oh, je t'ai touché 12 fois. J'anticipe même les mouvements là. Fais ta merde. Fais-la ta chiasse. Fais-la bien. L'autre il a tiré, mais qu'est-ce qu'il a tiré? Il a tiré sur quoi? Il a tiré sur rien du tout. S'il a tiré sur ça. J'aurais tous les pires véhicules de la Terre, quoi. En plus, j'aime pas tourner en sens là. Un point de vue, mais j'ai entendu un mouton. Ok, bon, ouais, mais Signed, il est méga long ce boss. Il est tellement méga long. Oh, genre game over. Moudaboudal, merci Trémor, merci les gars. Je vais le tuer. Voilà, je dois retourner jusqu'au bout. Je m'en fous, j'ai mes 100 œufs là, c'est bon. J'ai rien à craindre, j'ai juste à le retenter à l'infini pour le tuer. Même si c'est long et chiant. Hop. Donne-moi une vie, toi. Voilà, c'est ça. J'ai plus qu'à le retenter, là. Impeccable. C'est bon. Quoi, jamais? Ouais, après, les game over, c'est vraiment pas le premier, hein, dans cette histoire. J'en ai tellement pris. Et toi, tu mets tellement de temps avant de me donner le premier item, c'est violent. Il met vraiment un temps ouf à me donner le premier item. Ouais, j'ai compris comment tourner en rond, mais... Et c'est un peu le... C'est un peu tournicoti, tournicoton. En plus, évidemment, ce putain de référentiel qui se base en fonction de la position de ce sale cancre-là. J'avais les doués pour s'enfuir quand même. Moi aussi le gars Mouda. Chip Zanuf. Putain. Franchement, il est pas facile à viser, hein, de là.
Pourquoi j'ai gagné une vie là, j'ai pas trop compris. Je suis ou pas là? Je suis là. Comment ça non? Oh, je l'ai raté encore. Oh, je le passe derrière. Putain, c'est ouf. J'arrive pas à le viser. Je ne peux pas le viser convenablement. Enfin, je l'ai touché deux fois. Comme ça, au pif, allez. Moi, je prends les deux touches. Je suis un mec qui prend les deux touches. Hop. Ça me fait chier quand il commence à tirer beaucoup là. Moi, je vais tirer qu'un quart de vie. C'est pas bon. Allez, véhicule. On se casse. C'est moi qui fais de la merde. J'avais dû sauter là-dessus. Mais non, mais je suis pas touché là. J'ai besoin de ce bouton. Oh mais merde! Donne-moi un bouton. Non mais je t'ai touché 12 fois. Espèce de sale cancrelat de merde. Donne-moi un putain de mouton. Je voudrais un mouton. C'est toi le mouton verdier, c'est toi le pigeon. Surtout ne sert bien à rien. Il avance tout seul ce putain de vaisseau de mince là. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Et l'autre il spam toute la map. C'est un sac à merde. Et je l'ai pris en pleine gueule, je récupère une vie, j'en perds juste après. Ça, mais j'ai les moutons. On est bien. Allez, donne-moi un véhicule. Quel qu'il soit, je prends. Mais non! Oh là 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 là, mais putain! Pardon. C'est moi, excusez ma grossièreté. Hein. J'ai pas la volonté d'être grossier comme ça, mais. La guerre des moutons. Non, j'ai pas fait, j'ai rien fait de mal. Prends dans la gueule. Non! Quel con je fais des fois. Il avance tout seul aussi ce machin, c'est pas facile. Hein. Vital. Est-ce que
que je l'ai. Je sais pas pourquoi j'ai une vie. Ok putain, une vie, cool. Ça m'a redonné full life. Oh, je suis bien. Je l'ai touché. Je sens que je l'ai touché. Je sens qu'il est pas content parce que je l'ai touché. Je le sens. Je sens comme une envie de s'énerver. Encore une fois touché. Oh c'est bon là, je peux l'avoir. Oui. Yes. Si si, je suis sur le bon chat, vous en faites pas. Oui, enfin oui, le chat qui s'affiche ici est pas le bon, je sais. Mais je vous vois. Merci Maxime 13. Merci pour les 20 mois. Ah, je crois que c'est terminé, hein. Je crois que c'est fini, je crois qu'on n'entend plus parler de Spyro. Ah, il me manquait 10 minutes, quoi. Non. Ah, c'est pas la bonne fin. C'est pas la bonne fin, faut le 100% pour avoir la bonne fin, c'est ça. Ouais, c'est ça. Faut le 100% pour avoir la bonne fin. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que tu as sauvé le monde des dragons? Et ben maintenant je vais me faire racheter par Activision. Je vais faire que des jeux de merde sur GBA. Et on va m'acheter en figurine Skylanders. You know, I still have to find the rest of the dragon eggs. Plus Hunter seems to have disappeared again, so I should go. Voilà, il reste encore des œufs à sauver. Voilà, il y a le 100% à faire. If I do happen to encounter him, however, I will most certainly inform you immediately. Et voilà, c'est la fin du Spyro d'Insomniac Games. C'est la fin, mais bon. It's a funny thing, on est quand même arrivé jusque là, ce qui est bien. I adjusted Avalar's portals to take me to the Dragon Worlds, but somehow I ended up here. Maybe my coordinate tables are out of date. By a thousand years. That would explain why the book was so cheap. So, now that you're done saving the world again, are you gonna visit me in Avalar? Sure, Alora. Bien sûr, Laura, je vais venir te visiter à Avalar, bien sûr. C'est ça, meuf, hein. Ah, oh, le singe, il est stylé. Well, hey, I can help. I just saw him sneak off with... Agent 9, isn't that a Rhinoch over in those bushes? Rhinoch! Attends, l'agent 9. Y'a pas d'autre rhino à aller désinguer en attendant. Et il lui a trouvé un placement produit. I'm sure Hunter is in good hands. I mean, I'm sure he will turn up soon. Promise you'll come visit Avalar soon, okay? Mais bien sûr. Je viendrai à Avalar, regarde. Demain j'arrive. Billy et le mur. Billy dans le mur. Now how many times have I told you not to tease that moose? It was Billy's idea. Oh, c'est à lui d'être Billy. Is that true, Billy? Il a l'air beaucoup plus sympathique que Billy. Great to see you. Hi, Sheila. I've been looking for Hunter all day. Have you seen him? Sorry, Spyro. Hunter made me promise not to tell you where they went. D'accord, le compteur se cache, il le cherche et il m'a fait promettre de pas dire où il va. À mon avis, Hunter, il a un rendez-vous. Il a un rendez-vous, Hunter. Ah voilà, Hunter il baise. Hunter, il match sur Tinder. Tinder Hunter. Ah, ça fait du bien. Enfin terminé. Another noble warrior falls victim to the plague of love. Just look away. Enfin terminé. On va pouvoir commencer Ratchet. Come on, Spyro. Take a little break. Let's watch the show. Et voilà, c'est crédit de fin. Ah, enfin, bah dis donc.
Let's play le bit.ly. Je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de ce Spyro 3, ou si vous préférez Spyro 3 à Spyro 2. Donc le bit.ly, hein, vous le connaissez maintenant. Hein. De tous les jeux de la liste de Let's Play, je rajoute une ligne avec ce Spyro 3 que j'ai fini en 1%, celui-ci. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus aimé Spyro 2, pour vous dire la vérité. Après, il a pas les problèmes de Spyro 1. Il y a les animaux, il y a plusieurs trucs. Finalement, le jeu est beaucoup plus long que les autres. Mais je sais pas, moi, j'ai pas trop aimé les mini-jeux. Après, dans le 2, j'aimais pas du tout ça non plus. Je trouve que la caméra était mal gérée, que tous les mini-jeux étaient assez désagréables à faire. Après, là, on s'est tapé moins de Speedway. Les Speedway, c'est le même principe. Il y a rien qu'à changer. T'as tous les mouvements dans Spyro 2. Alors dans Spyro 2, t'avais une vraie évolution, tu revenais dans les niveaux d'avant. Là, ton truc pour revenir dans les niveaux d'avant, c'est d'avoir trouvé le familier à sauver. Finalement, la mécanique est à peu près similaire. Ouah, je suis mis sur Console Mania, c'est la fête. D'accord. La mécanique est à peu près similaire. Je sais pas trop quoi en penser. On n'a qu'à dire que c'est entre le 1 et le 2. De toute façon, c'est des bons jeux. Hein. Merci beaucoup, hein, Fireblaze. Je réglerai les moudas, là, la chaîne perso. Il y a plein de trucs qu'il faut que je règle. Ouais, ça va, Nin, ça va. Du coup... Crash Bandicoot 3, j'ai mis 5. Crash Bandicoot, pour moi, c'est une vraie progression. Les jeux sont de mieux en mieux dans Crash Bandicoot, je trouve. Plus en plus complet et complet intéressant. Franchement, on s'en fout un peu, c'est un super jeu, hein, Spyro 3. Hein. Vous pouvez y aller, hein. Sans hésiter. Je vais mettre 4 raids. Tout le monde sera content. Pour moi j'ai préféré le 2. Et là, tu vois, et comme j'ai préféré le 3 à Crash Bandicoot 2, je lui ai mis que 4, tu vois. J'ai été beaucoup plus sévère avec Crash Bandicoot qu'avec Spyro, honnêtement. Moi, je trouve Crash Bandicoot 1, il a très mal vieilli, c'est qui est vrai. Mais Spyro, ça a pas mal vieilli, hein, c'est vraiment, on est au top de la PlayStation. Voilà, et on va commencer, du coup... Faut que je retrouve les... J'ai pas d'encart pour la PS2 si j'ai un encart. Jackix. Ratchet & Clank. Le premier. Ratchet & Clank, c'est action plateforme. Ratchet & Clank, ça va être de l'Eddy Pourcent aussi. Il n'y aura pas de condition. Quand il n'y a pas de condition, je le marque. Voilà, on commencera bientôt. Metal Gear Rising, ouais. Metal Gear Rising, c'est vrai, Zach Amerd. Zach Amerd qui avait choisi Metal Gear Rising. Et là. Et si, c'est vrai. Et Metal Gear Rising... Toilette princesse, pourquoi il est en rouge? Ah, c'est les jeux que j'ai commencé. C'est les jeux que j'ai commencé. J'avoue. Et Metal Gear 5, hein, qui sera sûrement jamais terminé. Car j'aurai jamais le temps de jouer au jeu de toute ma vie. Parce que je joue 3 Pokémon. Et ça, ouais, ça, tout ça, c'est des jeux que je dois finir. Bon, ça va, la liste commence à être vraiment verte. Hein.
FF15. J'avais pas rajouté FF15 en dessous. FF15 que j'ai plus ou moins fait, mais on pourra refaire FF15. RPG, FF15, je l'ai fait. Je l'ai fait en New Game Plus, donc ça compte pas trop. Je l'ai fait NG Plus. Je sais pas comment je lui mettrais FF15. Ouais, moi j'ai kiffé FF15, mis à part le jeu. Et ça c'est des jeux que j'ai fait. Plein de jeux comme ça. Pourquoi je les mets dans la liste? Ça, c'est des jeux que j'ai fait. Il mériterait même pas d'être dans la liste. Ça, c'est fait. Dragon Quest sont faits aussi. Curieux de Pokémon Colosseum. Il me refaut vraiment une GameCube. Vraiment. Ah, j'ai encore changé le pattern. C'est la base. Voilà, très bien. Ceci terminera donc ce Spyro. Tout de suite, c'est Ratchet & Clank. Alors, je vais juste vérifier avec vous. Je vais vérifier en quittant donc cette liste de let's play. Déjà, est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai pas? Le jeu. Voilà, je vais vérifier. Le suivant, c'est Ratchet & Clank dans Rétrospective Insomniac. PlayStation 2. Non, c'est pas ça. PS3 Remaster, PlayStation 3. J'ai Jack. J'ai les Mass Effect, Ico, Okami, Mass Effect. Non, je l'ai pas. Je sais pas, ça veut dire qu'il faudra que je l'achète. Ouais, il faudra que je les achète, je les ai pas. À moins que vous ayez la trilogie en boîte. Et que vous la revendez, sinon je les ai pas. Je l'ai pas directement. Donc il faudra y refaire. Bref, c'est pas grave, on fera ça demain sur la JVTV. Soyez là, Mario Maker à partir de 16h. On va essayer de voir un peu ce à quoi Mario Maker ressemble aujourd'hui. Et à partir de 18h, du coup, Nintendo Fan, on ira voir ce coup-ci des jeux Nintendo eShop. Merci The Yoska pour les 3 mois, merci. Bisous. Merci à tous les subs, n'oubliez pas d'utiliser votre sub ici à la chaîne perso sur la JVTV. Ça marche aussi totalement pour les emotes, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve du coup demain pour la suite. En attendant, je vous laisse avec Pentaro et avec le journal du hardware. Bisous à tous, ciao, bye bye. Petite intro là pour le swag.